Bonjour à tous, Anguille et Tori, et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, ça va être assez sport, puisqu'on retrouve nos deux invités, Anthony et Sébastien Poulazan. Et Gounod, messieurs, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, on est très content de vous recevoir dans ce podcast. Pour vous présenter un petit peu, vous êtes frères, vous êtes de Bidart. Vous êtes aussi à l'origine du local Training et Squash, un établissement que vous avez ouvert il y a un peu plus de 2 ans. Mais avant de nous en parler, on aimerait connaître votre parcours, ce qui vous a poussé à mettre ce projet sur les rails. Alors moi c'est Anthony, j'ai fait mes études dans le sport depuis la sortie du bac, j'ai fait un STAPS à Tarbes, une licence dans l'entraînement sportif spécialisée dans la préparation physique, ensuite j'ai passé des formations en externe qualifiantes comme le TRX, là on est parti sur une formation spécialisée sur l'haltérophilie. Alors moi, contrairement à Anthony, je suis pas du tout issu d'une formation sportive. Avant d'ouvrir le local, j'ai fait des études de commerce, donc j'ai travaillé environ 2 ans, donc voilà, mon frère m'a motivé dans ce projet et du coup moi j'ai pu passer mon diplôme d'éducateur sportif sur le tas, j'ai pu prendre à ses côtés, on va dire, tout au long de la première année. Et voilà, aujourd'hui, je suis diplômé, on gère les cours à deux et toute la partie sportive ensemble. Comme je l'ai dit, moi, je suis issu d'une formation commerciale et je me suis penché après sur le sport. Donc, pour moi, même quand j'étais dans le commerce, le plus important pour moi, c'était vraiment d'être au contact des gens. Et là, depuis que, on va dire, on a le local et depuis que j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif, pour nous, en gros, le plus important, c'est vraiment, on n'est pas du tout axé sur la performance, on va être plutôt axé sur la prise de plaisir et surtout donner aux adhérents ce goût de l'effort qui est, on va dire, primordial pour la vie de tous les jours et leur santé. C'est quoi qui vous a motivé finalement à mettre ce projet en place? Pourquoi le faire comme ça à deux? Est-ce qu'il y avait une idée déjà qui germé depuis un moment ou c'est venu spontanément? On est dans le sport depuis tout petit, on a commencé le rugby ensemble à Biarritz, après bon, on est venu vivre sur Bidart, après j'ai vite rejoint le Bidart Union Club, donc où j'ai pu jouer de junior jusqu'à maintenant. On fait du sport depuis tout le temps et c'était naturel pour nous de se tourner vers un métier dans le monde du sport. Alors on peut dire finalement que vous avez réussi à faire de votre passion votre métier et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et même si le nom est assez évocateur, le local training et squash, c'est quoi exactement? Parlez-nous de l'établissement et de ce que les gens peuvent faire quand ils viennent chez vous. Notre local, il se situe dans la zone de Bassilour, pas loin des locaux techniques de la mairie et de Technoflex, un peu plus de 300 mètres carrés, comprenant du coup le terrain de squash, la partie training et les vestiaires. Et aussi, on a de la chance en ce moment, vu qu'on fait les cours en extérieur, on a repris avec des cours en extérieur, d'avoir un grand parking sécurisé où en ce moment on pratique les cours. Chez nous, il y a différentes choses. Du coup, il y a deux parties comme son nom l'indique. Il y a la partie training, donc ça, c'est toute la partie entraînement, préparation physique, coaching sportif. À l'intérieur de celle-ci, il y a du coup différentes possibilités, donc on a différents cours. À l'intérieur, on peut avoir des cours au poids du corps sous forme de circuits tels que le cross training. On a un cuisse abdo-fessier, donc basé sur les trois principaux groupes musculaires que sont les cuisses, les abdos et les fessiers. Ensuite, on a un wod local, ça va être plus la partie, on va dire, entre guillemets, crossfit. Là, on y retrouve les mouvements d'haltérophilie, la gymnastique et le cardio. On aura ensuite du TRX. Les TRX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les sangles jaunes et noires là, qu'on accroche au mur, qui permettent de travailler tout le corps en profondeur. On a un cours, du coup, comme le TRX, qu'on appelle TRX cardio. Là, du coup, c'est un combiné de deux disciplines, du coup, des TRX et des mouvements cardio qui sont en dehors des sangles. On a ensuite une partie plus cardio avec du bike erg. Ça, c'est un nouveau cours qu'on va mettre en place dès qu'on pourra réouvrir à l'intérieur. Un cours basé sur du vélo en petit groupe, là où on va vraiment travailler tout ce qui est dépenses en calories. Il y a un suivi en fait complet au niveau de chaque adhérent sur leur progrès au niveau des calories brûlées, des watts consommés, etc. Ensuite, on a la deuxième partie du coup, la partie squash. Donc on a un cours de squash qui se joue du coup à 1 contre 1. Au niveau du squash, on a tout le matériel nécessaire à la location. Donc il faut des chaussures spécifiques de salle pour pas qu'il y ait de marque au sol. On a les raquettes et les balles aussi qui sont disponibles. Du coup, dans notre local, nous n'avons pas, comme dans certaines salles
on va dire plus des chaînes que tout le monde connaît, de machines guidées. Le principe de notre salle, c'est que chaque adhérent qui vient chez nous est accompagné sur chaque exercice. Donc il y a toujours quelqu'un qui a l'œil sur nos adhérents, soit Seb, soit moi, par rapport à ce suivi, par rapport à l'exécution des mouvements. Il y a toujours quelqu'un à la salle, n'importe quand dans la journée, de 8h à 21h, du lundi au dimanche, pour proposer quelque chose, un entraînement à quelqu'un, que ce soit un entraînement plus cardio, un entraînement plus sur les abdos, même si la personne ne sait pas quoi faire. Ben, y a toujours quelqu'un qui est là pour lui proposer un entraînement. Ça va être pour, on va dire, pour la partie espace libre, pour la personne qui vient pas forcément au cours ou qui vient aux horaires en dehors des cours pour une journée normale, quoi, sur les heures creuses. Ou si la personne n'a pas le temps de faire le cours, de faire son entraînement à côté, parce qu'on a assez d'espace aussi pour accueillir à la fois le cours et un espace aussi libre à côté. Sur la partie des enfants, du coup, qu'on accueille à partir de 5 ans, jusqu'à 10 ans pour la partie, on va dire, kids, et la partie ado de 10 à 15 ans. Sur la partie kids, il va y avoir du coup plus sous forme de jeu, sous forme de parcours de motricité, de découverte du corps, un petit peu de cardio, ils peuvent utiliser les machines. Voilà, on a des jeux dessus. Dès qu'il fait beau, on peut se mettre dehors avec eux, donc ça aussi c'est sympa. Pour les ados, ça ressemble plus quand même à un cours type cross training, donc poids du corps sous forme de circuit, à peu près similaire aux adultes. On n'utilise pas de charge, mais ils peuvent travailler sous plein de façons. Je reviens au niveau des cours qu'on propose. Voilà, on propose une diversité d'activités. Et aussi, on y retrouve un gros choc intergénérationnel. On peut y retrouver les enfants à partir de 6 ans, comme les étudiants de l'Estia, comme des sportifs, comme des gens qui n'ont jamais fait de sport, et aussi des gens qui ont la soixantaine, quoi. C'est pas une salle qui est dédiée que aux sportifs et aux gros bourrins qui veulent soulever des barres d'haltéro, on va dire. C'est fait pour tout le monde. Ok, adapté à tous et à tous les profils. Sportif ou non sportif ou débutant, on s'adapte à tout le monde. Ça fait pas mal d'activités, donc impossible de s'ennuyer finalement. Alors vous avez mis en place un planning qui regroupe tout ce que vous proposez au local, ça permet d'avoir une organisation très claire, et comme ça suffisait pas, vous avez même créé un tournoi de squash qui rassemble et qui permet aux gens de passer un moment sportif mais surtout convivial. Alors comment s'articule ce tournoi? Est-ce qu'il est destiné à tous ou au contraire, est-ce qu'il faut faire preuve d'un certain niveau? Alors non, il faut pas faire preuve d'un certain niveau. On a créé ce tournoi de squash vraiment pour rassembler les gens de Bidart et de ses alentours. On va dire que sur notre tournoi de squash, on l'a fait plutôt sous un format de tournoi de pelote, on va dire, avec une première série où on retrouvera les joueurs confirmés, une deuxième série avec des joueurs intermédiaires, et une troisième série, on va dire, où on peut s'inscrire à tout niveau, les débutants, ou alors les joueurs qui savent pas trop se situer. Donc voilà, c'est un tournoi qui est accessible à tous. On avait fait une première édition de ce tournoi qui s'était très très bien passé, où on avait une soixantaine d'inscrits. Voilà, on a fait ça sur plusieurs mois, c'est-à-dire comme vraiment un tournoi de pelote avec les disponibilités de chacun. Et là, en fait, on voulait lancer un deuxième tournoi donc juste avant notre fermeture. Donc ça nous a freiné un peu dans la progression, on va dire. Et on avait un peu plus de 80 préinscrits. Voilà, ce n'est que reporté pour l'instant. Dans vos valeurs, on retrouve la convivialité, le partage, mais surtout la collaboration. Et il me semble que vous avez mis en place un joli partenariat avec l'école d'ingénieurs de Bidart, l'Estia. Alors comment ça marche? Est-ce qu'il y a une formule spéciale pour les étudiants? Racontez-nous. Alors en fait, à l'Estia, on les avait démarchés quand on venait d'ouvrir. Donc j'ai carrément, on va dire, été à l'Estia. J'avais des connaissances, des amis qui étaient dans cette école. Donc ils m'ont permis, on va dire, d'aller les voir. Donc je suis intervenu dans un amphithéâtre, on va dire, pour présenter la salle, présenter qui on était, qu'est-ce qu'on faisait. Et voilà, donc après on a fait un tarif spécial pour les étudiants. Et du coup, il y en a pas mal qui ont adhéré. Et donc voilà, on a enfin arrivé de jour en jour, des nouveaux, des fidèles depuis le début. On a mis un tarif vraiment très très accessible pour les étudiants, ce qui permet, on va dire, d'avoir des jeunes comme des plus vieux à la salle, quoi, on va dire plusieurs générations de personnes. On va avoir à la salle des petits, au cours pour enfants, au cours normaux on aura des jeunes de l'Estia, des gens, on va dire, qui ont plus de 50 ans ou bien plus, et après on aura du sportif aux débutants. Alors en parlant de sportifs, on a entendu dire que vous aviez reçu il y a quelque temps l'équipe de France féminine de squash. C'est pas rien, alors vous avez dû vivre une expérience très enrichissante. Comment ça s'est passé? Comment vous les avez accompagnés lors de ce séjour à Bidart? C'est grâce à l'entraîneur Philippe Seigneuret qu'on avait rencontré, qui était passé au local un été, qui avait vu la structure et qui avait trouvé la structure très bien pour pouvoir organiser des stages avec du coup les filles. Lui s'occupe de la partie féminine au niveau de la Fédération Française de Squash. Ils trouvaient le complexe génial pour eux, parce que du coup, on avait à la fois un cours de squash,
et les infrastructures autour avec tout ce qui est la partie préparation physique. Chose que, voilà, enfin, c'est rare dans le coin. Il nous avait dit que dès qu'il avait toutes les filles réunies, il viendrait faire un stage ici. Et au final, on a fait un stage avec eux, donc au niveau du suivi de préparation physique, de la pratique du squash. Et du coup, ils sont revenus plusieurs fois et ils doivent revenir. Du coup, on a quand même c'est un petit peu un point de repère pour eux quand ils viennent ici sur le Pays Basque. Pour le coup, vous aviez privatisé peut-être le local spécialement pour l'équipe ou justement c'était juste la partie squash qui était mise à part pour l'équipe de France? Comment vous étiez organisé? Ouais, c'était pas privatisé non plus. Enfin, il y a eu une période où c'est tombé pendant le confinement. Donc, du coup, eux avaient le droit de s'entraîner à l'intérieur parce que du coup, statut de haut niveau. Sinon, il y a des créneaux qui sont réservé enfin, du coup pour eux, on leur bloque des créneaux de squash. Et après dans la salle, non, c'est ouvert à tout le monde. Du coup, enfin, la salle est assez grande, sachant qu'on a pu l'agrandir. Il y avait de la place pour tout le monde, du coup, pour accueillir à la fois l'équipe de France et nos adhérents au cours de la journée. Alors on a parlé du squash, on a parlé un peu de la pelote aussi. Est-ce que rapidement vous pouvez nous expliquer ce que c'est la différence justement entre ces deux disciplines? Puisqu'au Pays Basque on entend beaucoup parler de la pelote basque, mais finalement le squash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi réellement? Alors le squash en fait ça se joue du coup on va dire dans un mini fronton. C'est vraiment les dimensions, il nous semble c'est 7 mètres et quelques par 10 mètres. Donc on va dire qu'après on va retrouver un instrument comme une raquette, donc contrairement à un bout de bois comme la pala. Donc c'est un sport hyper rapide, très cardio, on va dire un peu plus cardio que la pelote quand même, où vraiment il faut 45 minutes à 1 heure pour pouvoir avoir la langue par terre quoi. C'est un sport qui est accessible à tout le monde. Pour jouer une partie squash, il faut quelqu'un qui a son niveau à peu près. Si une première série joue contre un troisième série, ça sera pas du tout amusant pour le troisième série. Il faut que ça s'équilibre un minimum. Voilà, exactement. Et donc après, par rapport à la pelote basque, on va dire, il y a une balle, un instrument qui sert à taper dedans et il faut taper contre un mur quoi. Donc ça se ressemble pas trop, mais on va dire que c'est hyper complémentaire. Un joueur de pelote va rapidement jouer au squash et un squasher va pouvoir, on va dire, jouer facilement dans un trinquet comme Alice Alia. Alors depuis qu'on a lancé le podcast, on a reçu beaucoup de frères et sœurs. C'est aussi votre cas puisque vous êtes frères. Qu'est-ce que ça fait de travailler entre frères au quotidien? Depuis qu'on grandit ensemble, on va dire qu'on est un peu meilleurs potes. Donc du coup, pour nous, que ça soit pour le travail ou en dehors du travail, on est souvent ensemble, on a les mêmes potes, le même groupe d'amis. Je savais qu'en se lançant sur ce projet-là avec Seb, que ça allait très bien marcher, sachant que voilà, on n'a jamais eu de conflit entre nous. C'était sûr que ça allait tout rouler et qu'on peut se faire confiance l'un l'autre. Du coup, il n'y a pas de souci par rapport à ça, quoi. Alors, vous êtes de Bidart, vous avez grandi ici et aujourd'hui vous y travaillez. Finalement, Bidart, ça représente quoi pour vous? Alors, Bidart, déjà pour nous, on a grandi au quartier de Bois-Sillour, donc moi j'ai connu que ça. Donc, pour moi, Bidart, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai joué au rugby, c'est là où j'ai rencontré mes amis. Aujourd'hui, on travaille à Bidart, on habite à Bidart, ce qui est aujourd'hui quand même un petit luxe, hein, parce que aujourd'hui, tous les jeunes, c'est compliqué de se loger à Bidart, hein, on va pas se mentir. Et voilà, aujourd'hui, on a ce luxe-là et on en est conscient. Vous avez cette sensation de bien vivre à Bidart et d'avoir tout ce qu'il vous faut finalement à proximité pour s'épanouir aussi bien personnellement que professionnellement. Exactement, à Bidart on a tout ce qu'il nous faut. On a notre métier, on a notre maison et aussi quand on va sur la place, hein, c'est magnifique, on a la plage, on peut jouer à la pelote, on peut faire un peu ce qu'on veut à Bidart, quoi. Après, hein, aujourd'hui, on en voit de plus en plus qui sont obligés de s'égarer un peu par rapport à des projets de famille, à des achats. Bon, nous pour l'instant on est ici, on est content d'y rester, quoi. Alors tant qu'on parle de Bidart, justement, si vous deviez élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur, l'endroit où vous vous sentez bien, ce serait quoi? Pour moi la place. Place de Bidart, parce que la place, on s'y pose, on va boire un café, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on peut jouer à la pelote, on va en bas à pied à la plage. Voilà, sur la place, on s'y sent bien, quoi. On y traîne pas mal de temps et depuis un bon petit moment. Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nous inviter nous livre un moment ou un souvenir marquant, ça peut être n'importe quoi. De votre côté, ce serait quoi? Je sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais en tout cas, là, ça fait bientôt 2 ans qu'on est ouvert et on a quand même eu le temps en 2 ans de prendre 3 confinements dans la tronche, on va dire. Voilà, aujourd'hui, avec Anto, on a vécu, on va dire, quasi autant d'ouverture que de fermeture. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on a survécu à ça. Et que j'espère que notre salle va se développer comme il faut une fois la réouverture définitive. Et qu'on pourra fêter dignement nos 2 ans avec tous nos adhérents. Ils savent qu'on sait recevoir. On avait fait une bonne fête pour nous 1 an. Donc, on les attend de pied ferme pour l'apéritif des 2 ans. Anthony, Sébastien, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi Valentin de nous avoir accueillis. Merci Valentin.
On a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens qui nous écoutent s'arrêteront par chez vous pour profiter de tout ce que vous proposez, mais surtout pour garder la pêche, chose très importante par les temps qui courent. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.